suivez la télévision Isanganiro, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. Des routes et avenues se trouvant dans différents quartiers de la zone Kanyosha sont en piteux état. Les habitants du quartier Kanyosha Busoro qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent que ces routes ne facilitent pas les déplacements, surtout en saison de pluie. Ils demandent la réhabilitation. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les agriculteurs des zones Chibitoke et Rugombo de la commune Rugombo de la province Chibitoke se plaignent qu'ils viennent de passer 2 semaines sans irriguer leurs champs agricoles suite à la fermeture des canaux d'irrigation. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir récolter cette saison, ont-ils indiqué. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. La population de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura demande la réhabilitation des routes et avenues se trouvant dans différents quartiers de cette zone. Les habitants du quartier, les habitants du quartier Kanyosha à Busoro font savoir que l'état actuel de ces routes, surtout en saison de pluie, ne facilite pas les déplacements. L'administrateur de la commune Mouha indique qu'elle a déjà fait appel à l'agence routière du Burundi et qu'elle attend son intervention. Le point avec Francine Ndirokugayo qui s'est rendue sur les lieux. Ce sont des habitants du quartier Kanyosha Busoro de la commune Moha en mairie de Bujumbura. Les routes principales et avenues sont en mauvais état et cette situation rend difficile la circulation, surtout en période pluvieuse. Ces routes ne nous facilitent pas parce que quand il pleut, même s'il y a du soleil, c'est difficile. Il y a des pierres et d'autres matériaux. Bref, c'est difficile. Il peut y avoir des accidents quand un véhicule essaie d'esquiver. Une moto, elle, peut surgir. Quand un véhicule passe, c'est difficile. On plie même les rétroviseurs. Au moment de la construction, il faudrait leur montrer comment le faire, parce que parfois, c'est de l'anarchie. Ainsi, l'eau de ruissellement se déverse dans la route. Et ces routes sont en mauvais état. Ça ne marche pas, il n'y a même pas de canalisation. Difficile aussi d'assurer le transport des biens et des personnes, regrettent les cyclistes et conducteurs de moto. C'est vraiment difficile pour nous parce que ces avenues sont impraticables. Il y a souvent des nids de poules. Quand il pleut, il y a des pierres qui se retrouvent dans la rue. En descendant, on risque de cogner les pierres et les passants. On demande qu'on les réhabilite. Dans ces avenues, ça ne marche vraiment pas. Il y a des nids de poules. On y rencontre des véhicules. Il y a risque d'accident à cause de cet état de la route principale et des avenues. Vous le constatez vous-même que les nids de poules sont nombreux. On demande au gouvernement d'essayer de refaire ces routes urbaines, notamment celles de notre zone de Kanyosha. L'administrateur de la commune Moha, Devote Ndeisenga, indique à cet effet qu'il a déjà contacté les services de l'ARB, agence routière du Burundi, en demandant que ces routes soient réhabilitées. Il y a des axes routiers en mauvais état, difficiles d'emprunter si on dispose d'une voiture de petite taille, voire même pour d'autres voitures suite au nid de poules. À ce qui nous concerne, nous prévoyons les travaux, mais nous demandons à l'ARB pour l'exécution. À cet effet, nous avons déjà transmis des correspondances à cette institution pour la réhabilitation de certaines routes. Nous attendons alors le début des travaux. Les habitants de la zone Kanyosha appellent les responsables administratifs à songer également au pavage des avenues des quartiers pour faciliter la circulation.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, demande au gouvernement burundais de mettre sur pied une commission multipartite des experts pour statuer sur les mesures de prévention de risque suite à la montée des eaux de la Tanganyika. Dans une conférence de presse de ce vendredi, Jean Douimana, porte-parole de l'OLUCOM, déplore que si rien n'est fait des dégâts causés par les débordements du lac Tanganyika risquent d'être énormes. Suivez-le. La commission mixte que l'OLUCOM propose ici pour la résilience de la population de les biens révélés au lac Tanganyika, ce n'est qu'une commission mixte d'experts chargés d'étudier des questions qui entrent la population riveraine du lac Tanganyika afin de trouver les solutions à la dans le sens de la résilience. Parce que selon l'expert, le docteur Bernard, d'ici le mois de mai, ce serait une catastrophe totale. C'est-à-dire que ça va dépasser la RTNB. Vous trouverez qu'il y aura d'énormes pertes. C'est pour cette raison qu'il faut face à ce danger. Il va guetter la population et les biens des quartiers asiatiques, des quartiers Kabondo et d'autres d'ici Rumonge jusqu'à l'aéroport. Alors, il faut que ces commissions, ces plateformes composées par des experts, composées par des mandataires publics au niveau des différents ministères, il faut que ces commissions commencent déjà, s'ils ne sont pas en retard, commencent déjà à se mettre en place. Parce que l'expert a précisé au mois de mai, mais personne ne le saurait. Ça peut venir avant le mois de mai. Je vous le disais en titre, les agriculteurs, des zones de Tibitoke et Rugombo, de la commune Rugombo de la province Tibitoke, s'indignent qu'ils viennent de passer 2 semaines sans irriguer leurs champs agricoles suite à la fermeture des canaux d'irrigation. Ces cultivateurs disent que ne pas comprendre pourquoi une telle mesure et craignent que leur culture soit endommagée. Le responsable du département agricole en province Chibitoke, Edmond Uwo-Bikundiye, tranquillise tout en expliquant que cette mesure a été prise pour réhabiliter ces canaux d'irrigation. Suivez plutôt ce reportage de Lydie Gahimbare. Ce sont des riziculteurs des zones Tibitoke-Rugombo dans la province de Tibitoke. Ils se plaignent qu'ils viennent de passer plus de 3 semaines sans avoir d'eau pour irriguer leurs champs. Ça fait au moins plus de 3 semaines sans avoir d'eau pour irrigation. Par exemple, j'ai des plants de riz à repiquer, mais je ne peux pas le faire sans eau. Qu'ils nous donnent de l'eau afin de continuer nos activités. Ils expliquent qu'ils enregistrent une grande perte suite au manque d'eau d'irrigation. C'est une grande perte qu'on enregistre suite au manque d'eau. Vous voyez ici, les plants de riz ont besoin beaucoup plus de l'eau pour pousser. Alors, c'est une perte. Ces agriculteurs demandent aux responsables agricoles au niveau de la province de réduire la durée de la fermeture de cette eau pour irriguer leurs champs. De son côté, Edmond Wikundiye, responsable du département agricole en province Tibitoke, explique que cette mesure a été prise pour réhabiliter les canaux d'irrigation. Cette autorité demande aux agriculteurs d'être responsables et de veiller à ce que ces canaux ne soient pas bouchés pour la bonne marche des activités agricoles dans leurs champs. C'était des images qui ont été recueillies par notre correspondant dans la province de Tibitoke, Jackson Bahati. Et continuons ce journal par la page Société toute administrative de la province Rumonge qui se rendra coupable de non-transmission d'une convocation exigeant au préalable dépôt de vin sera limogé et poursuivi en justice.
Ces propos sont de Léonard Nyonsaba, gouverneur de cette province, qui dit qu'il s'agit d'une mesure prise après avoir constaté que cette question est revenue à maintes reprises lors des récentes descentes dans différentes zones de cette province. Suivez à ce propos le reportage de Jean-Pierre Missago. Pendant 3 semaines de descente dans les différentes zones de la province Rumonge, certains administratifs à la base ont été accusés d'exiger entre 2000 et 5000 francs burundais de pot de vin pour transmettre une convocation aux concernés, selon le gouverneur de Rumonge. D'autres encore demandent des convocations qu'ils vont ensuite confisquer pour qu'au bout du compte, la personne convoquée soit arrêtée et retenue pour rébellion. Sur ce, Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, au terme d'une réunion d'évaluation de ses descentes ce mardi à Rumonge, annonce le limogeage et des poursuites judiciaires contre tout administratif à la base qui aura refusé de transmettre la convocation faute de pot de vin. Ici, le gouverneur de Rumonge conseille aux personnes remettant les convocations aux administratifs à la base pour leur transmission d'avoir des témoins. Pour les plaignants, confisquant les convocations pour qu'au bout du compte, la personne convoquée soit emprisonnée, le gouverneur de Rumonge dit que c'est plutôt ce plaignant qui passera par le cachot s'il s'avère qu'elle a confisqué les convocations et l'accusé comparaîtra libre. Ici aussi, le gouverneur de Rumonge trouve important que celui ou celle qui livre une convocation mentionne si c'est la première, la deuxième ou la troisième convocation. Aux personnes qui craignent de répondre à la convocation de peur d'être retenues, le gouverneur de Rumonge leur conseille plutôt de comparaître et d'alerter lorsqu'elles estiment qu'elles sont injustement incarcérées. Merci à Jean-Pierre Missago pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.